de djihadistes qui abattent les hommes et les femmes à bout portant, d'opposants crucifiés ou enterrés, suffisance, d'orgueil imbécile et ignoble. C'est un genre épistolaire entre un père et sa fille. Qui est ce père? Ce père, c'est un érudit, un musulman, philosophe, islamologue, donc qui habite dans le monde musulman, dans le monde arabe, on ne sait pas très bien où. Et sa fille, qui s'appelle Nour, qui signifie la lumière lunaire en arabe. Cette fille, qui est aussi très instruite, qui fait des études brillantes de philosophie, et qui décide, malgré tout cela, de partir rejoindre l'idéologie de Daesh. Je pense que nous avons beaucoup de certitudes, à la fois sur ces jeunes et à la fois sur nous-mêmes, puisque le fait que Nour puisse partir, le fait qu'elle soit attirée par Daesh, vient nous interroger nous-mêmes quelque part, qu'est-ce que nous avons raté? Et il est clair que le père, au bout d'un moment, il lui a donné la meilleure éducation possible, il lui a donné les meilleures valeurs possibles, mais ce n'est pas parce que vous donnez les meilleures valeurs à vos enfants que vous pensez qu'ils vont suivre le chemin que vous leur avez tracé.